Mon rôle, c'est je suis capitaine de route avec Laurent, donc on se partage la tâche, on doit guider, faire la relation entre le DS et les coureurs, et puis aussi motiver les troupes. Ça fait partie de quand il y a des choses qui vont bien, faut savoir le dire, et puis quand il y a des choses qui vont pas bien, faut savoir le dire aussi. Aujourd'hui, étape longue, 200 km, il va faire chaud. Je pense que voilà, le sprint, c'est une belle arrivée pour Matisse aussi. 800 mètres, 4,5%, c'est largement dans tes cordes. Le Tour de Paris Camembert, du Tour de Normandie, de la Poly-Normande, c'est Anthony de la Place. J'ai senti au départ, il y avait pas mal de coureurs motivés pour aller dans l'échappée, donc j'ai senti que ça pouvait être une étape pour une échappée. Malheureusement, on s'est retrouvé que trois coureurs. Donc, je pense qu'à 5-6, on aurait pu avoir une chance d'aller vraiment au bout. Quand je m'échappe au tour, même si je sais qu'il y a 1% de chance que ça aille au bout, c'est aussi pour essayer d'aller chercher un gros résultat pour l'équipe, hein. On est venu là pour une victoire d'étape et on va rien lâcher jusqu'à Paris. Ouais, bah aujourd'hui, l'arrivée au Puy-de-Dôme, ça fait 35 ans que le tour n'était pas venu, il me semble, ici. Donc, je suis content en tant que coureur, en tout cas, d'avoir monté au moins le Puy-de-Dôme une fois sur le Tour de France. Parce que c'est sûr que j'aurais pris ma retraite la prochaine fois, je pense. Première difficulté de la journée. Ouais, déjà, ouais. Le soleil, on est tout de suite dans le bain. Hein. Après, ça a fait bizarre sans public parce qu'il y a une ambiance de folie jusqu'à 5 bornes, 4,5 et après plus rien. Mais non, c'est. Je pourrais dire que j'ai fait une folle Puy-de-Dôme dans ma vie.